pendant qu'ils démolissent, vous construisez. Vous reconstruisez ce qui a été démoli. Vous maintenez ce qui tient encore. Donc nous allons bénir cette première pierre pour demander les grâces nécessaires pour pouvoir continuer les travaux et pour que tous ceux qui viennent dans ce sanctuaire obtiennent des grâces et des grâces en abondance. C'est nomen Domini Benedictum. Exaudum de Tiusque in seculum. Adutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cerum et terram. Benedictione Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Date, date, date Maria, date, date, date Maria. Je donne la bénédiction pour vous aider pour le retour. Benedizione Dei Omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania saint per per Mariam. Amen. Amen. Quand on attaque la mère, on attaque le fils. Quand on aime la mère, on aime le fils. Thank you.
la terre créée par Dieu infiniment saint, infiniment puissant, infiniment miséricordieux. La terre souffre de ce que l'homme lui fait subir. Quand donc comprendrez-vous qu'il faut revenir aux valeurs naturelles? Vivre, manger, boire, travailler, dormir et prier comme Dieu le veut, loin de ce qui détruit les corps et les âmes, loin de la corruption des mœurs. Je vous bénis de tout cœur. On ne peut pas se dire chrétien si on va passer la nuit dans une boîte de nuit et le dimanche se rendre à l'église. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas être chrétien si on critique en permanence ses proches et même ses amis et ses voisins. C'est impossible. On ne peut pas être chrétien si on n'a pas un cœur ouvert aux pauvres, à ceux qui souffrent, à ceux qui peinent, à ceux qui sont dans la misère, tant morale que physique. Non, nous chrétiens, nous devons avoir un cœur ouvert à la misère du monde, comme notre Seigneur qui allait vers les pauvres, vers les malades, vers les infirmes, vers les aveugles. Alors, prenons cette résolution peut-être aujourd'hui de prier davantage la Très Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous donne ses conseils et que nous puissions nous éloigner de l'esprit du monde qui veut pourrir nos âmes. Alors mes frères, mes sœurs, mes amis, que l'amour de Dieu soit dans votre cœur et que la paix du Christ soit dans votre cœur. Thank you.
respectez la nature et glorifiez Dieu de l'avoir faite si belle. Quand Jésus se mit à parler un jour, une femme dans la foule éleva la voix et lui dit « Heureuses les entrailles qui t'ont porté, le sein qui t'a nourri !» Et Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique !» Voilà un conseil extraordinaire pour cette journée. Mettre en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit notre Seigneur ? Eh bien, il nous dit qu'il est la voie, la vérité et la vie. C'est-à-dire que nous devons l'aimer de tout notre cœur, parce qu'il est venu sur la terre pour nous sauver, nous, pauvres pécheurs. Écoutez, demandons à la Sainte Vierge, la Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là pour nous aider, comme une bonne mère, une mère aimante, une mère qui nous aime infiniment, puisque Jésus, sur la croix, a dit à ta Sainte Vierge, « Femme, voici ton fils. » Et Saint Jean nous représentait tous. Elle est vraiment notre mère. Une mère aimante. Impensablement aimante. On est stupéfait de voir l'amour de la Sainte Vierge qui vient de temps en temps sur la terre pour nous dire certaines choses, nous mettre en garde contre certaines choses, pour nous demander surtout la prière, parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et la prière, c'est ce qui nous reste, nous garde unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Vierge, quand elle vient à Fatima, elle demande la prière. Quand elle vient à Banneux, par exemple, à Lourdes ou ailleurs, elle demande la prière. Quand elle vient au Fréchoux, elle demande la prière. La prière, mais aussi le sacrifice, la pénitence. Savoir se renoncer pour les autres. Par amour pour les autres, par amour pour notre Seigneur. La souffrance des pauvres, des sans-abri, des délaissés, des affamés, crie vers le ciel. Ne prenez pas à la légère ce cri de détresse. Votre vie doit être évangélique, prenant soin de tous ceux qui souffrent, sans jamais se lasser. Gardez courage et confiance. Je suis près de vous. Je vous bénis de tout cœur.
bien installés dans vos maisons, à l'abri du froid et de la chaleur. Vous êtes sans égard pour ceux qui vivent dans la rue ou dans un réduit misérable. Quand donc prendrez-vous au sérieux la souffrance des pauvres? Et pourtant, mes petits enfants, vous connaissez et vous lisez le Saint-Évangile de mon divin Fils Jésus. Prière, pénitence et miséricorde. Je vous bénis de tout cœur. Aidez-vous les uns les autres et portez vos fardeaux, et ainsi vous aurez accompli la loi du Christ. Portez les fardeaux des uns et des autres. Aimez à faire plaisir, aimez à rendre service. Un chrétien est fait pour ça, il est fait pour rendre service, il est fait pour aimer, pour rendre service. Pour aimer d'abord ceux qui souffrent, premier. Les aimer d'un amour particulier, tous ces pauvres, ces malheureux, ces sans-abri, ces orphelins, tous ceux qui sont là, qui errent dans la vie, sans travail, qui dorment sur le bord des routes, qui n'ont pas de quoi manger, quand nous, nous mangeons à notre faim, tous les jours, qui n'ont pas de travail et pourtant, ne croyez pas qu'ils sont là dans la rue parce qu'ils n'ont pas essayé de trouver du travail. Certains, oui, mais pour la plupart, ils ont essayé. Mais quand on n'a rien, on n'a rien. Comment se présenter pour chercher du travail sans habit propre, sans avoir pu prendre une douche, sans avoir une référence, un endroit? Quand on vous demande, mais où est-ce que vous habitez? Est-ce qu'ils peuvent répondre, ceux qui vivent dans la rue? Et s'ils n'ont pas une adresse, on ne leur donnera pas de travail. Et c'est un jeu sans fin. C'est tout juste si on leur donnera à manger. On n'aura même pas un peu de pitié. On les laissera dans la rue. Et quand ils tendront la main, on dira, mais qu'ils aillent travailler. Qu'ils aillent travailler. Charité vient du cœur de Dieu. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. C'est la charité, cet amour. Est-ce que nous avons cette charité les uns pour les autres? Est-ce que nous vivons de la charité, de l'amour du Christ? La charité, nous dit Saint Paul, elle ne passera jamais. La charité restera dans l'éternité. La foi, l'espérance disparaîtront le jour de notre mort quand nous rentrerons dans l'éternité. Mais la charité restera. La charité, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu nous porte, c'est l'amour que nous portons à Dieu, c'est l'amour que nous portons à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui souffrent, à ceux qui peinent. Secourir les orphelins, les veuves, qui sont parfois dans la désespérance après la mort de leur conjoint. C'est la charité. Avoir une parole de gentillesse, de bonté, c'est la charité. Pas être dur avec les autres, c'est la charité. Avoir des mots qui consolent,
c'est la charité. Nous devons porter cette charité aux autres, cet amour du Christ. Cet amour du Christ qui doit nous travailler. Nous devons toujours nous poser cette question quand nous rencontrons les uns et les autres. Comment je vais faire pour être charitable? Comment je vais parler aux autres avec douceur, avec gentillesse? Ça, c'est la charité. Alors que Mgr Jean-Marie méditait sur les écrits de notre règle, cette communauté est sortie du cœur de Jésus. Il l'a déposée dans mon cœur douloureux et immaculé pour qu'elle régénère l'Église. Phrase répétée à plusieurs reprises.